Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte horrifique, j'ai nommé Pigface Massacre. Il s'agit du playtest qui est disponible gratuitement pour tout le monde sur Steam. Donc évidemment, je t'encourage à aller le faire si tu veux te faire ton propre avis. Le chat est chaud, bien qu'un peu bizarre ce soir, le beat est bon. On est sur apparemment un bonhomme, un tueur, qui nous poursuit avec une tronçonneuse et possiblement avec un masque de cochon, d'où le nom. Pigface, incroyable, installe-toi, n'hésite pas évidemment à claquer ta holly à venir nous voir sur Twitch. Si jamais tu veux voir tout ça en direct, t'as les liens dans la description. Merci énormément pour les 10K followers, incroyable, c'est grâce à vous, ça fait plaisir. On est parti pour la découverte de Pigface Massacre. On va jouer en solo, mais le jeu est prévu pour être jouable en coop, donc pourquoi pas si jamais tu veux te faire peur avec tes amis. Et il est prévu pour le premier trimestre 2020. Ok, il y a 3 chapitres de prévu. Bah, on va déjà faire le premier. Let's go, baby. Oula, c'est Hey, it's me. We're heading down the Rimwater. So, attends, you must know the story, ah non, c'est une vidéo. They say it's haunted or something like that. Apparemment, je vais dans un lieu hanté, alors. It's abandoned like 8, 9 years. But I don't give a fuck. It doesn't scare me at all. Apparemment, il y a des rumeurs sur ce lieu, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas peur. Ça, c'est le jeu. Ok. Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup, Lapin Magique, pour le 5e mois. Ah, ça va bien, et toi? Merci beaucoup. Alors, me dis pas que c'est. Je connais rien du jeu, hein. Oh, je me suis pris un coup, il s'est passé quoi? J'avoue qu'il y a un petit côté... Moi, il y a un petit côté Blair Witch plutôt. Alors, attendez. Ça y est, je joue. Ah, mais le jeu est pas du tout en caméra... Je pensais que le jeu était en caméra... Enfin, le même effet que la cinématique, quoi. Attendez, je monte le son parce que j'entends rien. Vous me dites, hein. Bonjour. On a une radio. Ah, on voit son perso. Écoutez, le jeu tourne bien. C'est quoi ça? C'est quoi ce point, là? Ah, ça doit être derrière le mur. Écoutez, pour l'instant, c'est assez joli. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce que je peux régler la sensibilité vite fait? Contrôle. Non, je peux pas. Ok. Radio classique. Écoutez, pour l'instant... Ok, on a un code. Qu'est-ce qu'on a ici? Don't forget the key. Ah, on a un 4. Ok, j'ai déjà le code. J'ai déjà le code. Puisqu'on a des numéros sur le mur, donc c'est 247. Ah, ouais, bah là... C'est Dwarf, ça. Ouais, c'était sûr. Merci, Dwarf. 247. Ok. Il fait pas très beau, hein. Est-ce qu'on a des bougies, la radio? Ok. Est-ce que c'est ouvert ici? Fermé. Non, il est pas magnifique, mais je trouve que l'ambiance est vraiment propre, tu vois. Vraiment sympathique. Alors, 2, 4, 7. 2, 4, 7. Ok, let's go. Bon, déjà, on commence bien. On a une clé. Alors je sais pas si ça fait peur, il y a des jumpscares et tout, on va voir. Ok, donc c'est pas ici, ça doit être celle-là. Mais ouais, les Didier sont tout le temps accrochés. Écoutez, des bisous à tous les Didier qui nous regardent. Non, on en a un qui est couché dans son lit, tu vois. Il y en a un qui respecte. Merci beaucoup, Dwarf. Ça me rappelle... En fait, tous ceux qui ont déjà vu là ce pendu, c'est normal, mesdames et messieurs, c'est parce que c'est un asset... Alors, je sais plus si c'est Unity ou Unreal Engine ou les deux, qui est ultra connu et qui est peut-être gratuit même. Donc, en fait, les gens s'en servent dans... Tu vois, c'est le même pendu que dans le lobby de Phasmo, si tu veux. Si tu regardes dans le lobby de Phasmo, au niveau du camion, tu regardes en haut, il y a des pendus, bah, c'est exactement le même. C'est les Didier, quoi. Oula. Oh la merde, la salope, pardon.
Excusez-moi, excusez-moi. Oh, il est sorti tout seul. Excusez-moi. En fait, c'est parce qu'il a mis le jumpscare au moment où j'allais fermer la porte. J'ai eu trop peur. Ne clippez pas, s'il vous plaît. Oh putain. Des bisous à toutes les mamans. Et c'est fermé. Ah, je peux courir. Je peux pas me baisser. C'est quoi ça? Faites les malins. Attendez, vous faites les malins, je vous montre le son du jeu, moi. Ça, vous allez arrêter de faire les malins. Voilà. Il y a un piège. Vous pensez qu'il s'active si je marche dedans? Il y a une partie de moi qui a envie d'essayer, mais... Ouais. Et ça, c'est la lampe. L'ambiance est vraiment stylée, je trouve. Ok, là, on a un ascenseur. Et là, ça continue. Faut tester? On peut faire une prédit, si vous voulez. Ok, j'ai trouvé un fusible. Ah, putain, ok. Faut retrouver encore deux fusibles. Alors, pour l'instant, je comprends pas pourquoi on peut jouer en coop. Donc, j'imagine que c'est parce qu'il y a le... Il y a quelqu'un qui doit nous poursuivre et tout. Ah non, à mon avis, ça marche. Je me ferai pas avoir. Ma curiosité morbide ne mourra pas. Putain, mais le jeu est stylé. J'aime beaucoup le jeu de chat pour l'instant. Je trouve que ça ferait une super map Phasmo, non? Pas vous? Note, putain. Oh, me dit, c'est pour me cacher? Ouais, ok. Je vois la mécanique, je vois le truc. Donc évidemment, il y en a deux si jamais tu veux jouer en coop. Fermé. Là, c'est quoi ça? Little boy went missing after fire. Donc il y a eu un gamin qui a disparu après un incendie. La vaisselle sale. Ok, je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve des fusibles. Hein. Fermé. Ok. Ok, il y a un mec avec une tronçonneuse qui vient de passer. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu s'il portait un masque de cochon par contre. Mais il est allé par là. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas de fusible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à l'envers. Order. X. C'est à l'envers, mais avec la lumière, on voit rien en fait. C'est à l'envers. Ok. X, U à l'envers, O. Ok. Je sais pas, on va voir. Est-ce que vous avez pu changer la catégorie, les modos, ou le jeu est pas dispo? Mais il disait que c'était fermé. Oh putain, c'est la porte du début. Oh, ok. Ok. Ah, oh, mais t'es sérieux? Putain, je me suis fait baiser. En général, c'est pas mal, mais là non. Ok. Donc là, c'est fermé. Attention, les pièges. Attendez, je suis allé où, là? Je suis allé là. Catégorie est bonne? Okay. Bah, évidemment qu'on aime Didier. Ah, mais c'est ça, l'ordre! Ok. Bah, c'est facile, du coup. Ça, 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 ça. Ok, donc ça c'est une porte à sens unique. C'est bizarre quand même. Cet endroit est bizarre. Des bisous à tous ceux qui viennent. Non. Niquez-vous, je vous lis plus le chat. Dès que je vous lis, il se passe un truc. Ouais, je voulais juste dire bonjour à ceux qui viennent d'arriver, là. Hit My Ship, Toxic Girl, tout ça. Barney,
Désolé, chat, je vous lirai plus. Est-ce qu'on a un modo qui peut faire une prédit? Est-ce qu'on va se prendre un piège durant le jeu? Parce qu'à mon avis, on va se faire poursuivre par le mec là. C'est pour ça qu'il y a des pièges par terre. Ok, il y a eu une mort choquante à Rimwater. Rimwater, donc c'est une prison, j'imagine. Le mec est tombé de 5 blocs de haut. Ah ouais. Thibaut, il a changé, il dit plus bonjour aux gens qui arrivent. Il y a un petit espèce de pute qui... Non, mais je le dirai pas. C'est... un connasse. Ah, putain. Ah, mais si, si, bien joué. Bien joué. Merci, Edition, pour le follow. C'est quoi ce bruit? Bip, bip, bip! Philippe, je sais où tu te caches! Sors de là que je te bute, enculé! Ta gueule! Ta gueule! Putain, il fait trembler le sol, oh, c'est Godzilla! Merci énormément à la personne qui vient de claquer ça au lit. Merci beaucoup et merci toi pour les 400 bits. Bien joué Elfie pour le trigger. Non mais attendez, c'est... Faut attendre que ça s'arrête là, comment ça se passe? C'est bon? Bon, ça va, Lynn. Non mais attendez, je fais quoi? Je sors ou je sors pas? Merci beaucoup, Fantasma. Ok. Donc là, ça veut dire que il peut me chasser, là. Merci à tous! Ratatou! Pardon. J'ai pas entendu de moteur, attendez, faut que je monte mon son. Et reste dans le casier! Ah super le let's play! Un streamer devant 450 personnes qui reste dans un casier! Tu veux de la Oli? Let's play version safe, ouais. Ah bah là, Elfifi, il va être content, je vais pouvoir dire bonjour à tous ceux qui arrivent. Petite pause casier, t'as raison. Tout de suite, la pub. Merci beaucoup Bazou pour le follow, merci Snowden pour le prime. Bon, on continue? Ouais, je suis d'accord. Allez, merci beaucoup Jojo Fata. Non mais attendez, par contre le tremblement c'est horrible. Hein. Attendez, je peux pas l'enlever. Non parce que c'est horrible. Je veux bien que ça nous donne... Mais c'est horrible. Bon, il y a un moment, faut arrêter d'être une victime. Putain, c'est stylé, oh. Ok, donc là, oh putain, il y a un piège là, faut faire attention. Ah, attendez, je dois faire quoi? Je dois trouver des fusibles, c'est ça. Je dois trouver des fusibles. C'est fermé. On va fermer les portes. Donc lui, il est là-bas. Là, j'ai ouvert la porte. Là, il y a un casier, on va le pré-ouvrir. Okay. Ah oui, voilà, j'étais là. Attention, là, il y a un piège. Oh, putain, mais niquez-vous. Non, mais vraiment, quoi. Ça fait trop peur. J'ai entendu une porte. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis un pro. Regardez, là, j'y suis pas allé. Regardez, il y a des escaliers. Les escaliers ont l'air bien. Tu vois, on est bien, là. C'est normal. Comment il sait que je suis là?
Je l'entends marcher. Attendez. Je vais diminuer le son de la musique. Mais le jeu est pas en pause! Le jeu est pas en pause! Arrêtez de claquer votre lit! Non, n'arrêtez pas. Il vient de couper la porte à la tronçonneuse. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas appuyer. Ah, parce qu'il faut les fusibles? Attendez, mais je suis bloqué? Il est là. Il vient de découper la porte là, non? Attendez, merci à la personne qui vient de claquer, merci beaucoup. Attendez, tout est fermé là, c'est quoi ce délire? Comment je suis censé partir moi? Il est au-dessus? Ok, il s'est barré. Merci pour le follow d'Adams. Regardez, il a pété la porte, il n'y a plus de porte. Ok. C'était quoi ça? Oh putain, c'est... C'est un bout de bois qui vient de partir. Oh mais il y a des bugs! Ok. Alors. Bon, c'est pas ici qu'il faut aller. Pas tout de suite en tout cas. Par contre, j'adore les bugs sur les... Je suis un poltergeist. Mais c'est stressant un peu comme jeu là. Non mais attendez chat, ils sont où les autres fusibles? Merci, mais la princesse est dans un autre château. Mon vrai nom c'est Robert. J'aime juste me déguiser en princesse et me mettre des petits doigts dans le cul. Merci Miss Mimou. Attendez chat, vous avez vu des fusibles qui traînent? J'ai pas de clé, j'ai rien. Heureusement que le jeu doit durer une trentaine de minutes. Là, c'est la salle du début. Attendez, me dis pas qu'ils ont mis un fusible dès le début. On l'aurait vu, je pense. Salut Luffy. Vous avez le droit de me dire, hein, si vous voyez un fusible. Non mais c'est vrai, t'as raison, Lapin. C'est Jean qui est... Regardez, il est là-bas. Vous le voyez? Il bouge pas, il m'observe. Ok. À mon avis, il faut qu'on trouve une clé. Des bisous, Nini. Ok, il est juste là. Ne vous inquiétez pas, sa vision est basée sur le mouvement. Ou pas. Merci à tous, je n'ai jamais douté. Oh putain, mais il est derrière moi. Mais comment je vais faire? Il va falloir que je le 3-6. Oh putain, mais Mikasos! Ah! Je peux plus courir. Cours! Cours, enculé! Merci à tous, je n'ai jamais douté. Chat, ils sont où les fusibles? Merci beaucoup Not Stop Lunatic pour le 3e mois. Merci énormément, bon courage pour le taf demain. Merci beaucoup Bob Lacourge pour le 6e mois également. Et attendez, je sors. On a l'air d'être safe dans les casiers. Attendez, il y a un truc que j'ai pas fouillé. Non, mais il y a pas de...
Chat, vous avez une idée ou pas? Toutes les portes sont fermées. Et il y a des bougies, mais il n'y a pas de clé. C'est quoi ça? Ça doit être en bas. J'ai entendu une porte là-bas. Ok, il est là-bas. Et il s'est barré. Ok, chut. Il faut qu'on trouve un fusible ou une clé. Ok. Il faut qu'on se calme. Il faut se calmer. On a des casiers pas loin. Là, il est derrière. Pardon. Enculé, pardon. J'ai tout raid, calmez-vous. Mais comment tu sais? Oh, mais il est dégueulasse! Tu ressembles à rien! Qu'est-ce qu'il fait? Ici, tu montes la garde? Qu'est-ce qu'on fait, chat? On sort ou on attend? Si, si, il m'a enlevé de la vie. J'ai dû spammer le bouton E, mais à mon avis, s'il me rattrape, je meurs, quoi. Je fais quoi? On sort ou pas? On sort, on court? On essaye? Il est bugué? On l'attend, non mais je veux dire, on va pas attendre 20 minutes là. Il sait qu'on est là, quoi. On tente. Attendez, mais il faut que j'aille sur la droite. Je crois qu'il y a un autre casier sur la droite. Allez, on tente. Vous êtes prêts? Ah! Je vois plus rien! Je suis mort? Je suis pas mort. J'ai pas de casier là. Non mais attendez. Ok, le mec me... Ok, je suis mort. Non mais c'est trop dur. Je crois qu'il m'a tué, ouais. Attendez. Ouais, normalement un coup de tronçonneuse on est mort, je suis d'accord mais... Oh putain, c'est fort. Attendez. Par contre, le son de la cinématique, il est super fort. On peut pas la passer. Bon, mesdames et messieurs. Il faut qu'on trouve deux fusibles. Ok? Oui, Imran. Il faut qu'on trouve deux fusibles. Mais moi, j'ai trouvé aucune clé, aucun fusible, j'ai rien trouvé. Cause du décès, masturbation. J'avais jamais entendu dire que la masturbation pouvait provoquer la mort. Je vais le mettre à... 469 celui-là, Edouard. Merci beaucoup. On sait toujours pas... Ben oui, on sait toujours pas où sont les fusibles. Il me semble avoir vu une clé sur un évier. Ok, merci Cryozen. On va regarder les éviers. Merci Coucou pour le follow. Bon, tu vas. Merci Edouard pour les bits. Ok, là ça commence. Okay. Je remonte le son. Donc on connaît le code. Le code c'est 247. Ok. Hop, 247. Tac. On a la clé pour sortir de cette pièce à la con. Mais le problème c'est que... On n'a pas de fusible, on n'a rien quoi. Bon tu vas coucou. La cuvette des toilettes? Non, il n'y a rien. Peut-être les autres toilettes. Attendez. Là, c'est fermé. Là, c'est... Putain, je me refais avoir par le même jumpscare. Putain, il y a un fusible ici. Oh putain, je peux sauter. Pardon. Je savais pas. Ok, donc il faut qu'on trouve une clé pour cette porte. Il y a un fusible sur la table. Ok. Bisous, Carcine. Ok, on est bon. Là, on ouvre la porte. On a un fusible juste là.
mais on n'a pas de, on n'a pas de clé. On va le prendre. On va le mettre. Voilà. Et là, faut qu'on trouve encore deux fusibles, ok? Je peux sauter par-dessus les pièges, je pense, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Ok, là, c'est fermé. Et là, on a la cuisine. Mais là, on a rien, en fait. C'est ça qui est ouf. Oh, putain, t'es un génie! Ok, il y avait une clé. Fuse box key. Il y avait une clé sur l'évier, je l'avais pas vue. Ok, donc c'est juste moi qui ai biglou, en fait. Pour l'exclamation jeu. Ok, on va tester la porte là-bas. Et bisous, Satan. Non, je voulais essayer de le faire marcher dedans, mais ça marchait pas. Ok, je peux pas ouvrir ici. Je peux pas ouvrir ici. Fuse box key. Ah, mais attendez, la fuse box key, c'était c'était tout en bas où il y avait de l'eau, je crois. Ça marche pas pour l'exclamation jeu? Ah si, ça marche. Ok, donc là, on est bon. Bien joué, Cryozen. Merci beaucoup. T'as l'œil. Là, il y a le mec qui va apparaître. On va le suivre. Ah, il y a un mur invisible, je peux pas avancer. Okay. Là, on est bon. Ok. Nous, on va aller là. Et ensuite, on va descendre. Ok. Là, c'est l'ordre. Donc, c'est quoi? C'est X, c'est Xu. Ok. Là, ça va débloquer, du coup, le mec. Donc, c'est ça. 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 Ça ouvre la porte. Ça débloque le mec. Non, putain. Ah, il est violent, celui-là. Ok, donc, faut que je fasse gaffe aux éviers. Il y a des clés sur les éviers. Là, il n'y a rien. Là, c'est fermé. Là, il y a ça. Là, il y a quelqu'un qui est mort. Blabla. Là, le mec est là. Avec sa tronçon. Il a l'air d'être sur la droite, là. Hein. Je le sais, en plus, hein. Ok, il me suit pas, il me suit pas, il me suit pas. Il me suit, il me suit, il me suit. Bibi, jeu de merde! Pardon. Non, je peux pas checker les tiroirs. Il y a des pièces à ours par terre. Oh, il vient d'ouvrir la porte. Ok, chut. Chut. Chut, chut, chut. Ok, on est bon. Ok. Je pense... Fermez-la. Merci beaucoup à la personne qui vient de claquer ça au lit. Ou les personnes. On va descendre. Putain, il est derrière moi, je crois. Fermez la porte. Ok, je crois que la boîte à fusible, elle est là. Je crois que c'est ça. C'est pas ça? Content, la dielle. Je crois qu'il est au-dessus. Il est au-dessus, il est au-dessus. Ok. On a la clé de la boîte à fusibles. Elle serait où à votre avis, chat? La boîte à fusibles. Je croyais que c'était ça, moi, mais c'est pas ça. Je crois qu'il est là. Il est en train de couper la porte, je crois. Ouais, on l'a vu défoncer la porte. Ok, ma lampe a pas l'air de la tirer. Ah, ok, Dreamer, merci. Un truc sur le baril? Non, y'a rien. Il est au-dessus. Il est au-dessus, il est au-dessus. Calmez-vous. Ok, là! Oh putain, la Red Room Key! Ok. Oh, les clés, il faut les voir, hein. Holy shit. Ok, Red Room Key. Et là, c'est fermé. Ok.
Et en tout cas, le jeu, il est simpliste, mais... Putain. Mais il fait son petit effet. Il est là ou pas? Il est sur la gauche. Et il a l'air assez loin. Ok, la red... Ok, on va se barrer, on va se barrer. La red room key, c'est où? Ok. Quand tu restes 14. Ok, donc là, j'ai la clé pour ici, c'est ça? Ok, il faut un fusil d'abord. La red room key. Il est où? Il est derrière? Non. Est-ce que je peux me cacher? Oh putain, je peux me cacher ici. Nice. On va ouvrir. Ok, j'ai une valve et un fusible. Petite pause là. Merci énormément à la personne qui vient de claquer Saoli. Merci à toi. Fais attention quand ça clignote. Mais ma lampe clignote pas, édition. La valve, ça doit être en bas, ouais. Tout va bien, chat. Merci énormément, Snowden, Ladiel, Doir pour les bits. Et merci beaucoup. Attends, il est là? Comment il sait que je suis là? Je dis pas qu'il entend mon micro. C'est pas un yokai. Il est parti. Tant que j'entends le bruit de la tronçonneuse, faut pas qu'on bouge. En multi, ça doit être drôle quand même comme jeu. Non, c'est pas un Déogène. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Tu bouges ou pas là? J'hésite à sortir, je fais quoi? Je sors? Il a pas l'air de bouger, hein. Mais non mais... Ok. C'était bugué du cul. C'est pas grave. Je peux pas sortir, c'est bon. Je peux sortir. Je fais de la merde. Je fais de la merde parce que... Y'a pas de cachette ici. Ok, il m'a loupé. Cours pour ta vie. Allez, bouge-toi le fion. C'est pas moi qui ai ouvert la porte. C'est pas moi qui ai ouvert la porte. Bah attendez, mais ça bug. Bah attendez, mais ça bug. Dès qu'il rouvre, je me barre. S'il me trouve, c'est abusé. Ok, on est bon. Carpaccio, petit bout pour la 12. Non, ça va bien se passer, calmez-vous. Non, mais le jeu est stylé, n'empêche. J'aime beaucoup. YouTube, au cas où tu l'as pas compris, il faut que tu claques ta holly, toi aussi. Hein. T'as les liens en description, dépêche-toi. Bon. Ok, il a l'air... Bah en fait, il y a des fois, il a l'air bugué, ouais. Il est sur la droite. Et il s'est barré. J'ai un fusible sur moi, mais j'ai autre chose, non? Ah, j'ai la valve. Donc il faut que je retourne tout en bas. On va se grouiller. Attends, l'escalier, c'était où? C'était ici. On va y arriver. Merci énormément à ceux qui claquent là, Oli. Merci beaucoup. Et il est pas loin. On va pas courir.
Il est là-bas au fond. Nous, on va descendre. On a la valve. Ok. C'est vrai qu'il y a un côté Outlast, ouais. Il y a des gens qui le disaient au début. Vous avez raison. Eh, dis-moi que c'est ça. Oh, let's go. Oh, let's go. Eh, elle est puissante, la valve, hein. Ok. Ok, ok. Oh, oui. Ok, on a fini. On a fini. Maintenant, il reste plus qu'à retourner en vie à la fuse box. Ok, il est au-dessus, il est au-dessus. Merde. Attendez, je crois qu'il est là. Vous avez vu le glitch? Quand je me colle contre le mur, la lumière va plus loin. I'm gonna get you. Merci à tous. Mais ta mère la... T'es moche du cul, enculé. Eh, mais là je peux rien faire, le problème. Faudrait que j'arrive à me cacher, mais... Ou alors je ferme la porte. Oh, il coupe la porte, regardez, avec la tronçonneuse. Oh, c'est stylé, j'avais pas vu. En fait, je vais courir. Vu qu'il me suit, je vais courir. Là, je suis au début. Et j'ai plus qu'à aller tout droit. En plus, il est en train de couper les portes. Vous l'avez vu, la tronçonneuse qui passe à travers la porte? Mais quel connard du cul! Excusez-moi. Il y avait... Depuis quand il y a un piège ici? Je l'avais jamais vu. T'imagines, je serais mort à cause de ça? J'aurais pété un câble. Putain, on a réussi du premier coup! Pardon. Le chapitre 1 a été complété. Merci beaucoup d'avoir testé le playtest. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, blabla, tout ça. Putain, chat! Et il était trop bien. Il était... Enfin, il était pas trop bien. Il était bien. Il était bien. Le petit système de... comment t'appelles ça, du monstre et tout, c'était sympa, les casiers, tout ça, c'était sympa, l'ambiance était vraiment cool. Par contre, ouais, bon, l'IA, il faudra retravailler un petit peu, on est d'accord. Mais moi, ouais, j'ai bien aimé à part ça. Voilà YouTube, j'espère que t'as kiffé, c'était le playtest de Big Face Massacre. N'hésite pas à aller tester, malheureusement, on peut pas jouer en coop sur le playtest. Mais en tout cas, si ça sort à 4-5 balles, qu'il y a 3-4 chapitres, moi, je dis, pourquoi pas, n'hésite pas évidemment à cliquer au lien, comme tous ceux qui l'ont fait ce soir, à venir nous voir sur Twitch. Tu as tous les liens en description YouTube. Des bisous, le chat t'embrasse, je t'embrasse. Et ça reclaque là au lit. Incroyable. Des bisous.